chapeauter visite l'île de l'adoption. Elle te réserve une fantastique aventure où tu peux gagner un chat persan en les dents. Va voir sa dernière aventure, le chapeauté 2, la dernière quête qui sort bientôt au cinéma. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Schéma, bonjour, ici Quinzel. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans un show télévisé. Je me présente, non je déconne, c'est pas vrai. On est juste sur Adopt Me, sur Roblox. Et honnêtement, ça fait depuis la nuit des temps, je me suis pas connectée. Et bim, premier serveur, bim, on est avec les Frenchies. Et salut les potes. Bon, j'espère qu'ils ne me connaissent pas, sinon c'est pas drôle. Et alors en fait, la vidéo d'aujourd'hui, elle est simple. En fait, il me semble que j'ai pas mal de petites bestioles là, qui... Des petits pets. Et je parle pas des proutes, hein, je parle des... Ouh là là. Pourquoi il est doré en dessous? Avant, il n'y avait pas ça. En tout cas, il y a eu 46 000 mises à jour entre la dernière fois que j'ai joué et maintenant. Et en fait, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais accepter tous les trades. Je vais mettre des pets au hasard et je vais accepter tous les trades que les gens, ils accepteront. Alors, dites-moi en commentaire si j'ai eu raison ou pas, si je me suis fait arnaquer ou pas. Oh là là. Ah ouais, mais c'est trop bien, il n'y avait pas cette animation-là avant. J'ai besoin d'une bonne douche. Oh, il pue le prout. Mais c'est un pet qui pète le prout. Et j'ai quelqu'un qui vient prendre sa douche au KLM chez moi. Il a cru qu'il était chez sa daronne. En tout cas, il me semble qu'il faut aller au milieu de... Ah mais il fait... Vraiment? Ok, bon, je m'en vais. Je m'en vais, c'est trop pour moi. Alors, il y a un event du chapeauté, mais bon, honnêtement, je ne risque pas d'aller au cinéma. Donc, c'est quoi? C'est genre, il faut mettre un code. Faire comment, moi? Moi aussi, je veux le chapeauté. En tout cas, waouh, il y a des maisons qui n'existaient pas avant, genre celle-là, ça serait une maison d'Halloween, un bail comme ça. Alors, je sens que je vais bien me faire arnaquer. Ok, mais quel plaisir! Là, franchement, si vous regardez cette vidéo et que vous étiez sur place et que vous n'avez pas lancé d'échange, vous êtes en train de vous dire, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas lancé d'échange avec 15L pour l'arnaquer? Mais trop bien, mais c'est quoi ça? Wesh, ça n'existait pas aussi avant. Choisis qui peut t'envoyer des invitations de troc, tout le monde, dont choisis qui peut te... Ok, c'est bon, donc tout le monde peut mettre des trucs dans les poches. Ah ça, je me rappelle, ah ça me faisait bader à l'époque, vous mettiez des trucs dans l'inventaire, je savais même pas que mon inventaire était en train de se remplir. Et on va essayer de faire le troc, donc on va aller ici. Mais honnêtement, je ne connais pas les nouveaux pets, ça fait... Bah, je crois que ça fait presque 2 ans que j'ai pas joué à Adopt Me, hein. Je sais pas, il y a des gens qui sont motivés à aller retrouver ma dernière vidéo d'Adopt Me pour me dire c'est quand la dernière fois que j'étais dessus. Bon, à savoir que c'était en live sûrement et que le live n'est pas en rediff, mais j'ai dû faire une vidéo dessus quand même. Attendez, c'est lui le chapeauté? En vrai, il est pas fou, hein. Je le croyais plus beau que ça. Il aurait dû faire des gros yeux comme dans le dessin animé. On va lui proposer quoi? Tigre doré lunaire, je ne sais pas ce que c'est. Je vais lui proposer... qu'est-ce que je vais pouvoir poser? Ça là, dodo? T'es la vraie... Attends, c'est qui? Attends, t'es la vraie? Non, pourquoi? Non, c'est pas drôle si elle pense que c'est moi. Elle va accepter tous les trocs. Ah ok, non, elle va voir cette vidéo là durant 15 ans, elle m'a menti. Accepter ou je rajoute? De quoi? Échange? Attends, accepter de quoi? Le troc? Il faut que j'écrive mal, il faut que j'écrive mal parce que je suis habituée à écrire bien. L'échange, oui. Alors est-ce qu'elle m'a arnaqué ou pas, vous me direz? Moi en tout cas... J'accepte. Je sais pas. Moi, c'est quoi? Légendaire? Bah, après, c'est légendaire contre légendaire. Techniquement, ça vaut le coup. Bon, après, Laura, je pense que bon, on s'en fout un petit peu. Le tigre doré lunaire, je ne sais pas d'où il sort. Lunaire, ça doit être le pet qu'il y a eu pour le nouvel an chinois, sûrement, peut-être. Je ne sais pas trop. Paul, je t'aime, ils ont envoyé une demande de troc. Accepté. C'est quoi ça? Œuf doré légendaire? Non, il me semble que ça, c'est un truc qu'on peut avoir. Bah tiens, genre, on voit un œuf aussi légendaire contre un œuf doré légendaire. Je pense que... Ah, bon non. Je pense que, justement, c'était bon pour lui. Après, je pense que l'œuf doré, on le reçoit dans la garderie. Là, on peut l'acheter directement, je pense. Lucie Lilliquette t'envoie une demande de troc. Un ride ultra rare en un ride... Légendaire. J'essaie de lui envoyer ça. Après, ultra rare. Est-ce que c'est plus que légendaire ou pas? Quoi? Ok, bon. Bah, je pense que ultra rare, ça doit être au-dessus de légendaire. Lol, ton pet est nul. Et toi aussi. C'est pas très gentil, ça. J'ai envie d'essayer de trade, là, les hiboux, là, parce que... Bah, vu qu'on est en fin d'année, ça se fait, ils vont les faire venir en fin d'année. Donc, si je peux en trade maintenant, ce serait pas mal. Personne n'a l'air intéressé par les hiboux, donc pourquoi pas les abeilles? Je vois qu'elles sont ultra rares. Bah, écoute, hein, ok, vas-y, go, hein. Ah, pas de problème. Est-ce que je me fais arnaquer ou pas? Je l'accepte juste parce que bah, j'avais un chat qui s'appelait Petit Chat et il était roux. Donc j'accepte juste pour ça. Juste pour avoir un chat roux que je vais renommer Petit Chat. Un griffon doré. Alors j'accepte, hein, écoute. Hein, après c'est pas un ultra rare. Remarquable. Un thon.
Non, j'ai... c'est pas un ton. Vas-y, go pour le ton, là. D'accord. De toute façon, j'ai dit, j'accepte tous les trades. Hein. J'accepte tous les trades. Là, il m'aurait mis un caca, un poop, un petit poop, une petite merde. En pète, j'aurais accepté. Ah bah, j'avais déjà des chats... J'avais déjà des chats roux. Ah, sinon, j'ai les coccinelles aussi. Les coccinelles, elles sont mignonnes. Je me rappelle, c'était l'un des derniers events auxquels j'avais participé avant... avant que j'ai stoppé Adopt Me. On va peut-être essayer de trader nos bœufs lunaires. Coccinal contre son puma. S'il accepte, je suis obligée d'accepter. Il a accepté. Je crois que je me fais arnaquer. Je crois que je suis en train de me faire arnaquer. Dites-moi en commentaire. Je pense que c'est un truc un peu commun, comme ça, un peu random. Et le coccinal, c'est quand même beaucoup plus rare. Et ça a été, je crois, quand même assez difficile à avoir. Hein. Ah, je suis une personne sympa. Enfin, non, je suis pas une personne sympa. Je suis juste une personne naïve. Qui veut du bœuf? Qui veut du bœuf? Du Big Mac? Du petit Big Mac ou du Royal Deluxe? Ou vous êtes plutôt Big Tasty? Oh non, c'est affreux ce que je dis. Pauvre petit bœuf lunaire. Je vais essayer de faire autre chose. Je vais dire trad bœuf lunaire. C'est ultra méga recherché. Oh, c'est pas vrai du tout, je sais pas. Peut-être que chaque année il revient ce bœuf lunaire. On a peut-être une personne. On va voir ce qu'elle me propose. Angela Wood. Ouais, bon. J'ai dit. Cette échange semble désigner, attention, ce pourrait être une arnaque. Je comprends. Ah, ça a annulé. J'ai accepté, mais ça a annulé. J'ai dit que j'acceptais tout, donc même si Gugus il met rien en face, j'accepte. On va changer de serveur, j'ai l'impression d'avoir tradé un petit peu avec, avec tout le monde ici. On va prendre la banane. Il faut toujours garder la banane. Mais moi je le veux, son panda là. Il est stylé avec ses planètes qui tournent et tout. Mais c'est méga stylé. Allez, on met un petit bœuf lunaire aussi, tiens. Hop, tiens. Tu veux un bœuf lunaire? Wolpertinger. Je ne sais pas ce que c'est ordinaire, mais j'aime bien. Donc si elle accepte, j'accepte. c'est sympathique. En vrai, je pense que si j'accepterais là comme ça, elle l'accepterait derrière. Mais j'attends que ce soit elle qui accepte, c'est le but du jeu. Mais vas-y, vas-y Lua, porte tes tripes là. Et accepte ce défi. Enfin, ce défi, c'est pas du tout un défi, ce trad. Vas-y, hein, go. Hein. L'échange semble déséquilibré. C'est pas grave. J'aurais un Wolpertinger. Ah, elle a pas accepté. Et elle veut refaire le truc. Elle veut pas de mon bœuf. Tu veux pas mon bœuf lunaire? Bon, je vais refuser parce que bon, au bout de 3 fois, c'est bon. Hein. Passe à autre chose. Hein. Contre dents de sabre, il me semble que j'ai déjà. Je vais finir par accepter parce que les gens, je crois, ils attendent que je sois d'accord. Écoutez, on va tester d'accepter. Hein. Je ne pense pas que ce soit équitable parce qu'il me semble que des dents de sabre, j'en avais pas mal et c'est pas un truc d'événement ou quoi que ce soit. On peut l'avoir, je crois, dans les œufs normaux. Pet, please, I'm new. Avec son visage tellement triste. J'ai envoyé une demande. Une coccinelle, et c'est rare. Un chat roux, un bœuf lunaire, un manchot, un panda roux, et un castor. Après, ah oui, c'est par ordre. Oh, le panda, je le garde, il est trop mime, il me semble que j'en ai qu'un seul. Tiens, une grenouille, un diplocodus, et tiens, un hibou. Voilà. Mais non, garde-les, tes pets. Gratuit. Oh, un loup fantôme, il est trop mime, ça. Peut-être qu'elle est obligée de mettre des trucs pour que le trad soit accepté. Je sais pas. Je pense que ça doit être ça. Je pense que pour pas que l'ordinateur détecte que c'est peut-être pas équitable. Obligée de mettre des trucs. Mais le loup fantôme, il est trop mime. Il est que rare, mais je trouve trop mignon. Alors, est-ce que ça valait le coup? Peut-être qu'il faut que j'expose mon bœuf lunaire pour pouvoir le vendre au public. Alors, qu'est-ce que tu me proposes contre ce magnifique petit bœuf rouge? Ok, bon bah rien du tout. Ok, bah écoute, hein, vas-y, hein. Mais c'est un youtubeur lui aussi, là. Ça se fait, il est en train de tourner une vidéo en disant oh, c'est quoi ce Gugus, c'est quoi cette gogole. Je vais prendre le paresseux parce que. Ah, il est raide. Mais il est tout petit. Je pensais que ça allait être un grand paresseux. Ah, bah quand on lui monte dessus, c'est pas la même, hein. Trading Badger Ride for Legendary. Oh, qu'est-ce que j'ai en légendaire? Compte le mec là, le Yaya là. Il est où le Yaya? Et toi, accepte, wesh, mon troc. Yaya bonbon là. Coucou lui qui avait ton compte, du coup m'avait pris tous mes pets car c'est lui qui m'a tram trad. Alors je sais pas ce que ça veut dire tram trad, mais j'ai l'impression qu'elle s'est fait arnaquer. Quoi les personnes qui essayent de gratter des pets à chaque fois et mettent un visage triste? Bah je sais pas, moi vas-y avec le smile tu vois, tu dis hey coucou les amis, j'ai pas de pets, pouvez-vous m'en fournir? Je suis en live MV, ça veut dire ma vie, ouais. Oh putain je suis vraiment une boumeuse. Mais vas-y accepte Yaya bonbon là, wesh. Tiens, Kitsune. Ah mais moi je pensais que c'était...
Bah vas-y, hein, go, j'accepte. Hein. Je pense que je me fais avoir, hein, parce que Akitsune, je crois que c'est assez rare. Mais lui, il est raid, son machin, donc bon, écoutez. Hein. Dites-moi en commentaire si je me fais arnaquer sur ce trad-là ou pas. Parce que celui-là, franchement, j'ai un gros doute, quand même. Autant, je sais que depuis tout à l'heure, je me fais arnaquer, mais alors là, je pense que c'est ok. Enfin, ok, pas vraiment, en fait. Que je me fais arnaquer, peut-être. Je ne sais pas, il me semble que Kitsune est peut-être assez rare. Bah, t'acceptes ou t'acceptes pas? Wait, quoi? Non, j'ai pas le temps. J'ai no time, moi. No, I haven't time. Yaya, bon. Faites une petite musique d'ambiance, là. Une petite musique d'ascenseur. Ça, c'est le mec qui est en train d'aller regarder si ça vaut le coup. Est-ce que, genre, il n'y a pas... Ah ouais, genre, il n'y a pas un site ou quelque chose qui dit qu'est-ce qui vaut le coup contre quoi, etc., etc. Ah, il a accepté. Donc, je pense qu'il a compris que ça valait le coup pour lui. Donc, j'ai accepté. Maintenant, je me retrouve avec un putois qui sent le pet. Le pet de fouf. Mais au moins qui ride. Et si vous a demandé une demande de troc. Allez, au pif. Bah, ce sera une abeille. Robot ultra rare, chat persan ultra rare. Bah écoute, hein, je peux proposer des trucs à moi aussi ultra rare. Au pif. Hop. Bon là. Elle veut rajouter des trucs. Ok, je rajoute des trucs. C'est le concours, tu sais. Aussi, tu es un remarquable, je te donne un remarquable. Écoute, si elle dit rien, moi j'ai toujours accepté, hein, go. Hein. Elle accepte. Je pense que ça vaut vachement le coup pour elle parce que c'est chat persan, c'est les veines du moment. Encore une fois, il me semble. Peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire. Et moi, je lui propose des trucs qu'on peut peut-être plus avoir, genre le bœuf lunaire. Il me semble que l'abeille, pareil, ça vient d'un événement. Bon, ça vient d'un œuf de dragon. La pinot fantôme, je sais pas d'où il vient. Le manchot, le bonhomme de neige, je suppose, d'un événement. Elle a accepté. D'un événement de Noël. Bah écoutez, ça fait déjà presque une bonne heure que je suis en train d'enregistrer, à essayer de faire des trades, etc. Ah bah du coup le mec il trade un Kitsune. Il trade mon Kitsune. Voilà. Du coup les amis, dites-moi en commentaire un petit peu le bilan. Est-ce sur combien de trades j'ai fait et sur le nombre de trades que j'ai fait. Combien sont intéressants et combien... Enfin voilà, genre dites-moi, je sais pas si vous avez suivi toute la vidéo. Genre, Kinzel, ouais, t'as fait 10 trades et sur tes 10 trades, t'as fait 10 trades de merde. Ou bien peut-être, genre sur tes 10 trades, il y en a peut-être un à la limite qui valait le coup. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et si ce genre de vidéo vous plaît, je referai. Bisous à vous, à bientôt. Ciao, ciao.